Benjamin Legros, vous allez nous parler avec grand plaisir de Vico Pisano. Bah, il faut surveiller la météo. Voilà, il faut surveiller la météo. Maintenant, je suis assez surpris aujourd'hui parce qu'ils annoncent le terrain 3-2. On a un terrain qui semble quand même beaucoup plus souple. Pour Vico Pisano mardi, c'est qu'un avantage. Voilà. En termes de conditions, on arrive en fin de saison. Comment vous le trouvez? Le cheval est en pleine forme. Il a montré, il a fait une bonne valeur l'autre jour au Lyon-d'Angers dans une place 1, en finissant 3e, donc pas vraiment avantageux au poids. Là on est dans une course à handicap, on va profiter d'une valeur qui correspond bien. Pourquoi pas s'approcher du guichet? C'est-à-dire que l'on arrive en fin de saison, le cheval a baissé au poids, sur ce qu'il a fait au printemps, ce serait une première chance. Il a le droit de gagner une course comme ça, après ça va dépendre du déroulement de la course, de la météo, s'il pouvait avoir encore une petite averse, ce serait qu'un plus, mais le cheval est très bien.